Et yop tout le monde, c'est Datadrapon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Pirate Warrior 4. Et aujourd'hui on va aller se tester Big Mom et Teach. On va chercher des petites pièces de Big Mom pour justement pouvoir la monter un peu plus. Voilà, donc on va tester. Alors, j'avais tourné une vidéo où je l'avais testé. Le problème c'est que comme un con, j'ai encore une fois oublié d'activer le micro. Donc du coup sa carte est un petit peu montée, on va continuer de monter tout ça comme on peut, voilà, un peu de ça, un peu de vie, voilà c'est monté, hop et voilà je peux plus rien monter. Alors, la carte des âmes, on a des choses à monter, on a de la def, on a de l'endurance, les techniques on les a déjà et c'est parti. Donc, allez go. Avec le une fois carré, une fois triangle, elle balance un peu tout. Voilà. Avec le triangle, elle fait des lasers avec Prometheus et Zeus. Carré, carré, triangle. Là, elle va faire des éclairs qui vont réunir un peu tout le monde avant d'exploser. Voilà. 1, ok. Bon, ça c'est le dernier coup. 1, 2, 3. Là, elle va balancer avec Napoléon des éclairs, enfin des slashs. Et le quatrième coup, 1, 2, 3, 4, là elle va balancer des coups avec Prometheus, ensuite elle fait exploser et elle finit avec un Giga Punch. Donc on a des techniques qui sont relativement sympathiques, elle est extrêmement puissante. Hop, pour la première spé, elle va balancer un gros coup de Zeus, voilà. Il y a un commandant qui est bloqué ici, super, on adore. Là c'est le fluide. Ok, donc là je vois que j'ai un petit souci avec un perso en bas, on va aller l'aider. Je ne sais pas c'est qui mais... C'est Crocodile. Ok, Crocoboy. Eh ben, viens ici aussi, hop, et le dernier coup, elle prend Prometheus. Alors, pour les coups dans les airs, elle va faire un petit dash avec carré et avec le triangle, elle tombe juste. Donc jusque là, c'est pas incroyable. Les coups dans les airs, malheureusement, elle en a pas tant que ça. Hop. Bon, le chef, on s'en fout un peu. Là, le principal, c'est d'aller aider le perso qui est en bas là. Adieu les maisons. Faut que j'aille aider les persos en bas. Parce que sinon, la personne est dans la S. C'est en coque. Hop, on va refaire un petit coup. Alors, elle est puissante, mais elle est lente. C'est le défaut du perso. Donc, en fait, il faut que vous soyez constamment sous. Hop, petit fluide. Ah, il est trop loin lui. Hop, petit coup. Ce sont des choses qu'on adore. Et hop, on est parti avec le dernier. Le petit coup de Zeus. Et kaboum. Ok. On va l'affronter Beige ou Franky. Hop, flux. Ok. Hop, rapide, efficace. Non, en vrai, elle c'est efficace et on va tester aussi Barbe Noire juste après. C'est-à-dire que Barbe Noire en termes d'efficacité, on est sur du bon aussi. Hop, alors. Beige ou Franky, lequel va mourir en premier? Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, ça va sûrement être Beige qui va finir en premier. Petit coup de fluide. Et c'est Franky qui est mort en premier. Ok. Allez, on y va.
Hop, j'ai des ennemis à esquinter. Ah, j'ai touché personne. Hop, Napoléon. Ah, hop, alors. Hop, on va faire des petits coups de Napoléon juste pour charger l'SP, voilà. Ok, il y a Big Mom qui est apparu. Ça tombe bien, c'est le boss final. Ah merde, ça je peux pas le péter. Ah, bloqué par un poteau. C'est ridicule. Big Mom. Non, oui. Oh, Prometheus. On va tout balancer sur lui. Hop, un petit coup de fluide. Parce que ça calme. On va se mettre sous SP avant de lui faire l'aspect avec. Et c'est parti pour l'ASP, normalement elle devrait être détruite. Ok, j'apprécie grandement. Le perso est bon, l'âme est bon. Ah putain, j'ai mal à cette gorge. Eh, c'est pas possible. Oui, c'est quand tu veux pour Ok, bon, 5 petites minutes de quête, on est pas mal. Et on va se faire Barbe Noire. Ok, normalement là, voilà, carte 2 de Big Mom, ok, pas mal. Ok, pas mal, 92 pièces dont j'ai besoin. C'est plutôt pas mal. Alors, nous allons prendre une quête avec des trucs de Barbe Noire. Là, on a Barbe Noire ici. Et on va jouer Teach avec la tenue de Nouveau Monde. hop, alors, est-ce que je peux débloquer encore des choses ici? Non, ce serait que des choses que je ne peux pas débloquer. Par contre, on peut. Il n'y a pas assez de pièces pour faire ça. Ok. Ok, bon, j'ai plus de pièces. Carte des âmes. Nous allons débloquer un petit peu de bouclier. Nous avons toutes les techniques et nous allons aller faire la quête. Vous allez voir que c'est assez facile avec lui. Je vais vous montrer la technique. Ah, vous allez dans une zone, voilà. Vous faites 1, 2, 3, vous appuyez sur triangle. Là, vous avez une grande zone. Il enferme tout le monde. Et hop, il libère. Et là, c'est parti. Vous capturez toute la zone. Vous attendez que ça respawn. Ou sinon, vous faites hop, et vous avez une petite spé. C'est tellement simple. Ok. Donc là, on a un Drake. Ok. Hop là, j'ai fait une autre technique. Hop là. C'est parti pour les envoyer dans les enfers. Ok, Drake c'est bon, Pelos Pelo, on va le tuer. Pelos Pelo, c'est bon. 1, 2, 3, on prend tout le monde dans le cercle et boum, spé. Là, il n'y a plus qu'à remonter. Bon, c'est un excellent perso, hein, c'est beaucoup trop fort. Franchement, c'est vraiment trop fort. Voilà, vous arrivez, vous faites ça. Hop, c'est parti. Là, vous n'êtes pas sûr, vous refaites ça. Et on est tranquille, hop. Et là, si vous voulez tout finir, bah vous faites la dernière spé. Et ensuite, vous refaites le coup, comme je vous ai dit. Et voilà. Et 1, 2, 3. On embarque tout le monde dans le Black Hole. Et on a redoute l'SP. Hop, là, vous voulez pas vous embêter? On ne parle plus d'SP.
Hop, et comme vous voyez, ça bouffe bien le les ennemis. Hein. Ah, on a Kaido versus Big Mom. On va aller se faire un malin plaisir de les défoncer tous les deux. Oh, tranquille. Hop, on les embarque. Enfin, en tout cas, ceux qu'on peut. Waouh, attendez, je suis entre les deux là. Je suis pris entre deux feux. Parce que mine de rien, il a l'air un peu con le Teach à côté, en termes de taille. Hop. 1, 2, merde, oh, le con. Oh, le con. 1, 2, 3. Là, vous voyez, par contre, c'est compliqué. Ah, ça, c'est le problème de Teach. Voilà, c'est que si vous voulez. Si vous voulez faire vos techniques, faut vous assurer de pas avoir des ennemis qui vous dérouillent. Voilà. Couchez, mademoiselle, couchez. Ok. On a un petit Doflamingo devant nous. Enfin, un pantin de Doflamingo en tout cas. Ah, c'est pas vraiment celle que je voulais faire. Moi, je vais faire une autre technique, mais. Ok, Jack, on va aller se le faire tranquillement. Voilà, qu'est-ce qu'il veut, monsieur Jack? Jack, la sécheresse. Oula! Oula! Alors, je suis pas ton Punching Ball, tu vas te calmer. Ah, il a disparu l'enfoiré. Ok, il y a Teach tout en haut. On peut aller se faire Teach. Non, en vrai, c'est vraiment fort. Hein. Bon, on va se recharger un peu l'SP. Voilà. Allez, c'est cheaper. Hop, on va se faire un peu tout le monde ici. Voilà. Un, deux. Ça c'est pas mal aussi comme technique. Hein. Ok. Ah, je peux partir du bon côté. Génial, on adore. Attends, j'ai un bon sens de l'orientation. Non, non, on se détend les gars. Et vous allez vous détendre. Un, deux, trois. Le champion va arriver sur moi normalement. Voilà. Un, deux. Dans le black hole. Tiens d'ailleurs, pour voir ceux qui sont là jusqu'à la vidéo, dans quel équipage vous aimeriez le plus être dans One Piece personnellement? En vrai, je dirais l'équipage de Shanks, parce que je trouve que c'est celui qui, même s'il a le plus de mystère, parce qu'on le voit parler avec des gens dont il devrait pas pouvoir parler, mais j'avoue que c'est le perso avec le plus de mystère, mais j'ai l'impression que c'est celui qui traite le mieux son équipage. Alors, évitez les conneries du type je suis un mec, j'aimerais être dans l'équipage de Hancock, vous savez très bien que c'est pas possible. Parce que je vois pas mal de monde dire qu'ils aimeraient être dans l'équipage de Barbe Blanc, enfin Barbe Noire. Mais je trouve pas que Barbe Noire soit le meilleur exemple. Ah, qu'est-ce qui c'est nous, voilà. Hop, tiens, prends-toi ça. Pars dans le hall. Je suis pas sûr que cette attaque lui fasse grand chose, mais bon. Ah, moi aussi je peux m'éveiller, hein, mon garçon. Ah,
Et 1, 2, 3, on te prend dans le cercle. Et là, dernier coup, et c'est gagné. C'est pas gagné. Voilà, s'il reste devant moi, normalement c'est free win. Voilà. Couché. Ça reste quand même le perso le plus intrigant de One Piece, lui. Hein. Est-ce que c'est vraiment le fruit des ténèbres qu'il a? Ou est-ce que c'est la théorie du Cerbère, comme on a dit? Oui, c'est vrai, c'est la quête qui termine le mode. Et ben franchement, moi je suis surpris de la puissance du perso. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, pour ceux qui sont restés jusque là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel équipage vous aimeriez rejoindre si vous étiez dans l'univers de One Piece. En essayant de rester raisonnable, hein, commencez pas à me dire que vous voulez être chez Don Krieg, je vous croirais pas. Alors, si vous me dites que vous voulez être chez Gold Roger, y'a pas de souci, mais dans ce cas-là, expliquez pourquoi. Sur ce, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao.